aujourd'hui, on a décidé qu'on allait vlogger. Comme on vous a dit la dernière fois sur Snapchat. C'était sur Snapchat ou sur Insta? Ouais, on a décidé qu'on allait faire plus de vlogs parce que les challenges et tout, ça devient en fait trop répétitif. Donc du coup, là aujourd'hui, on a décidé de sortir. On sait pas trop ce qu'on va faire, mais on s'est dit que ça allait être une bonne occasion de vlogger. Parce que en fait, à chaque fois qu'on vlog, on sait pas trop ce qu'on va faire. Mais moi, je vais aller au zoo. À la fin, le vlog, il est bien. Donc. Je vais aller au zoo. Bref, donc on va voir ce qu'on va faire. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. J'ai envie de me faire percer les oreilles, mais Dominique, il a dit qu'il a flemme, il veut pas sortir juste pour me percer les oreilles. On va voir. On a acheté une nouvelle voiture aussi. Oui, on a acheté une nouvelle voiture. Si t'as pas remarqué, tu vois, on s'est dit, bon, allez, on va faire une petite folie, on va acheter une petite voiture. C'est pas une petite folie, c'est que l'autre, elle nous a lâché, il faut dire la vérité. Clairement. On l'a ouette. Je vais vous montrer une photo là. Tu vois la gueule de cette voiture. Et bah, si tu veux, je te la donne. On l'a épuisée jusqu'à la fin, cette voiture. Un conseil à tous les jeunes, première voiture, ça sert à rien de prendre un bête de truc. Ça sert à rien de vouloir une Audi, je sais pas quoi, je sais pas qui. Première voiture, tu prends une vieille voiture, tu la ouettes jusqu'à la fin. Jusqu'à qu'elle s'arrête là. Qu'elle ne veuille plus rouler là. Et après, que la fumée noire elle sorte là. Et après, tu te fais plaisir. Et vous savez, j'ai envie de faire quoi? J'ai trop envie de faire un blanchiment dedans, genre. Aller chez le dentiste et qui me blanchisse les dents. Mais le problème, c'est que je sais pas combien de temps ça dure, ça, en fait. Combien de temps ça dure? Bah, parce que tu vas faire blanchir tes dents, mais au bout d'un moment, elles vont devenir jaunes. Mais bah non, si tu t'en prends soin. Si tu les brosses tout le temps. Si tu manges pas de calories, si tu vois. Je sais pas si j'ai les dents jaunes ou. Ah, attends, parce que là, j'ai les lunettes et les lunettes, elles ont des dents. Ouais, non, c'est bon, t'inquiète. T'as les dents jaunes. Déjà, je vais. Déjà, il faut que j'aille chez le dentiste. Ça fait combien de temps que je suis pas allée chez le dentiste? Ça fait. Je crois que j'étais encore. En primaire ou au début du collège. Et en fait là ce qui se passe, c'est que mes dents, en fait tout le monde croit que j'ai grave des caries et tout, mais c'est pas des caries que j'ai, c'est des plombages. Mais c'est les plombages à l'ancienne et donc en fait ils sont encore noirs. Et donc du coup, en fait depuis le temps là, je me dis faut que j'aille chez le dentiste et tout, mais je prends pas de rendez-vous. En plus là, vas-y, ça c'est une histoire encore que je dois vous raconter. Là ça faisait au moins, je sais pas, peut-être 5 ans, j'étais sans carte vitale, sans sécu, sans rien. Une immigrée, mon frère. J'avais même les immigrés là, ils connaissaient plus leurs droits, ils avaient tout de plus que moi. Moi je suis là, je suis française. Tout, j'avais rien. C'était la galère et là du coup tout est revenu. Donc là j'ai trop envie d'aller chez le médecin, chez le dentiste, c'est tout juste pour utiliser ma carte vitale. Il faut trop que j'aille chez le dentiste, comme ça il va s'occuper de mes plombages parce que vous voyez les trucs noirs, c'est pas des caries, c'est des plombages à l'ancienne. Mais frère, France, on bat les couilles. Putain, c'est un vlog, qu'est-ce que tu racontes? Mais frère, voilà, on s'en bat les couilles. Mais non, on s'en bat pas les couilles. Voilà, c'est trop là. Depuis tout à l'heure, tu parles de ça, frère, je change de sujet. Mais parce que c'est un vlog. Voilà, vlog, c'est sur la vie. Les gens, ils me posent des questions sur ma vie. Alors moi, je veux leur faire une petite update de ma vie. Ouais, les frères, c'est lourd. Elle est au frigo? Bah ouais, mais là, t'es en train de tout boire. Là, on est arrivé, on s'est garé. Petit parking souterrain, t'inquiète, là, je viens. Moi, je prends mes churros parce que ça fait au moins. Ça fait longtemps que j'attends ça. Ça y est, moi, j'ai ouvert les festivités. Je vais prendre ça. Deux comme ça, c'est trop gros. Je vais prendre deux comme ça, je m'en fiche. Bon, attends, parce que moi, je vais prendre des churros, j'en prends rien. J'en prends 6. 12. En quoi 6? 6 churros. Oh, en plus, ils font devant toi et tout. Je vais goûter. Ah oui, 12. C'était 21,50. Merci. Tu comptes la monnaie, on sait jamais. Ils vont pas me voler. Non, mais c'est. On a acheté une maison ou des choses. Oui, ouais, je vais bien. Ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Ils sont de la Réunion. Ah, Réunion. Oui. Pourquoi tu te caches, toi? Ouais, j'ai mes churros, je vais m'asseoir maintenant. Oui. C'est bon? Oh mon dieu. C'est bon? Oh mon dieu. Ça a l'air bon. Attends, viens, va trouver un banc. Oui, j'ai tout. Tu vois, il y a même un petit grec et tout là. C'est bien. Entrecôte. Tu veux en manger ici? Bah, on va pas rester toute la journée ici. Bah, attends, viens, on va s'asseoir sur le banc là. Ça m'a l'air bien ombragé. Quelle merveille. Laisse-moi goûter, ça fait tellement longtemps que je veux en manger. Vous voulez voir derrière ma bouche?
pour rien au monde je fais ça. Je vous jure, pour rien au monde je le fais. Wow. Là, on dirait pas, mais ça monte tellement haut. Et pour rien au monde je fais des trucs suicidaires comme ça. En plus, vas-y, tu sais même pas si c'est bien solide, si c'est sécurisé. Ça se trouve, ça tient avec des élastiques là. Non, moi je fais pas ça, mon gars. Là, on est arrivé ici. Le but du jeu, on a une canne à pêche. On pioche un sac. Et dans un sac, il y a un cadeau. Vas-y. Prends vers là, le bas là. Prends vers le bas. Le bas ? Vas-y. Celui-là ? Ouais, vas-y. Vas-y. Si j'ai gagné. Je suis vénère. T'as gagné quoi? T'as gagné quoi? Waouh! C'est quoi ça? C'est. C'est un jeu de société. À mon tour. Vas-y, tiens. Bon, lequel? Tu prends une chicha. Mais t'as pas. Tu peux. C'est les sacs. Madame, madame, je peux attraper une chicha? Non, c'est les. Ah, ok, Non, il est trop. Je sais pas. Oui, vas-y, lui. Un bleu, vas-y. Lui. Putain, il est léger. Ça va être un vieux truc un comme ça. Un briquet. Ah. Dans la voiture. Oh, c'est du donut. Ça, c'est trop stylé, ça. Moi, yo. Ça va quoi? Ça va. Singe, il a une jupe. Une jupe. Franchement. Une jupe en sac. Franchement, devant, il est crédible, hein. Mais de dos, il a une jupe. Regarde. Il a un sac poubelle. Il a perdu en toute crédibilité, le singe, là. Merci. On va voir le train fantôme. Faut aller directement en haut. Faut faire le tour. Ah, je me dis, maintenant que j'ai fait le truc Walking Dead, je peux plus avoir peur. C'est un mec avec une tronçonneuse. Et je me dis. Je mets de ce côté-là. Maintenant qu'on a fait le truc Walking Dead, est-ce que ça peut vraiment nous faire peur, sincèrement? Eh ouais, le truc Walking Dead à Universal Studios, c'est un truc de ouf, ouais. Ça fait trop peur. Et c'est que des gens comme nous qui sont déguisés. Et le granito strone, il a même pas de goût. Je suis trop énervée, putain. Ça, ouais, déjà. Ça commence ici. Oh putain. Pourquoi on a fait ça, putain? Je sais pas, voilà j'ai peur. Eh, ça peut pas être pire que Walking Dead. Elle a vu, mais j'ai pas peur. Attends, c'est quoi qui me touche là? Ah, c'est la paille. C'est mon granité. Attention. Wow. Ça va bien. Là, y'a le clown. Oh, non. Gigi, wesh. Là je vais prendre des pizzas à emporter, là je sais pas, j'ai une envie d'italien, j'ai une envie de pizza, là j'ai envie de me goinfrer. C'est donc bon aussi, hein. Non, c'est trop bon de ouf. Donc du coup là je vais commander des pizzas, on va prendre des pizzas à emporter et je vais vous montrer. Apparemment ici ils sont chauds de ouf. L'air il est magnifique. Oui. L'air, les plages, les monuments. En Sicile, c'est ça? C'est ça, okay. Voilà. Ça
C'est un vrai chef, ça. Un vrai chef, un vrai pro. Les bonnes pizzas. Les bonnes pizzas. Bon, bah, je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger en regardant cette vidéo. Sur ce, bon appétit. Ça y est, elle a enlevé son chapeau, elle. Ça y est, elle a enlevé son chapeau, elle. Regardez sa petite queue de cheval au-dessus. Bon, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Peace.